Bonsoir, il a neigé comme prévu sur une grande partie du pays ce dimanche, des chutes de neige assez conséquentes entre le centre du pays et les régions du nord cet après-midi. Ce soir, la neige est en train de se décaler vers les régions du nord-est où des pluies verglaçantes sont tombées cet après-midi. Donc la neige tombe sur des sols verglacés, soyez particulièrement prudents la nuit prochaine et demain matin lorsque vous prendrez la route. D'ailleurs, la vigilance est maintenue entre l'est de la Bourgogne et l'Alsace-Lorraine en passant par la Franche-Comté. Des chutes de neige se poursuivent sur ces régions ce soir, elles vont s'évacuer durant la nuit, mais le sol restera particulièrement glissant. Et par ailleurs, ce n'est pas terminé, un nouvel épisode neigeux va nous parvenir par les régions du quart nord-ouest la nuit prochaine. Les chutes de neige vont débuter sur le nord de la Bretagne en fin de nuit et elles se décaleront demain matin entre la Normandie, le nord des Pays de la Loire, le nord de la région centre et l'ouest du bassin parisien. Donc là encore, on attend entre 1 et 3 cm localement, 5 à 6 cm de neige fraîche, donc soyez particulièrement prudents sur toutes ces régions. Voyons ensemble donc les prévisions pour votre matinée de lundi. Nous allons retrouver notre nouvelle perturbation qui va s'étirer depuis les Pyrénées jusqu'aux côtes de la Manche. Dans la partie est de cette dernière, eh bien c'est la neige qui va tomber jusqu'au niveau de la plaine. Donc une neige qui devrait circuler entre la Bourgogne et la Normandie. C'est surtout entre le nord de la Bretagne, la Normandie, le nord des Pays de la Loire et de la région centre que les chutes de neige s'annoncent les plus conséquentes, avec une couche de plusieurs centimètres qui va donc tenir au sol. Soyez particulièrement vigilants encore une fois. Dans les région de l'Est, un temps plus sec et variable avec encore quelques flocons près des frontières du Nord et du Nord-Est, et puis un temps également plus sec mais très venté pour le bassin de la Méditerranée. Notez également que le vent soufflera très sensiblement sur les côtes atlantiques. Dans l'après-midi, la perturbation va lentement progresser vers les régions du Nord et de l'Est. Elle va concerner les deux tiers du territoire. Si les régions du Benelux et les secteurs s'étendant entre la région lyonnaise et le bassin méditerranéen devraient rester au sec, partout ailleurs, il faudra compter sur des précipitations sous forme pluvieuse entre la Bretagne et les Pyrénées, mais souvent sous forme neigeuse en allant vers la Normandie, probablement le nord des Pays de la Loire, le nord de la région centre, probablement également sur le bassin parisien, avec plusieurs centimètres de neige à attendre donc sur toutes ces régions, entre 1 et 3 cm en moyenne, mais localement, on pourra aller jusqu'à 5 à 6 cm. Ça sera notamment le cas sur les collines normandes, donc soyez particulièrement prudents. Entre le nord de l'Île-de-France, la Picardie, la Champagne, la Lorraine, là, ce sera plutôt des chutes de neige généralement faibles et qui arriveront certainement en cours de soirée. Les températures pour votre matinée de lundi, elles restent hivernales sur les deux tiers du territoire. Encore des gelées sur les régions du nord et de l'est. Moins 4 degrés pour la minimale à Lille. Plus 8 degrés à l'inverse du côté du Pays Basque. Moins 1 degré à Paris, 0 degré à Rennes. Et puis dans l'après-midi, elles se maintiennent dans des valeurs qui sont en dessous des normales de saison sur les deux tiers nord du territoire. 0 degré, pas plus sur le Benelux. On grimpera quand même entre 11 et 14 degrés sur le bassin de la Méditerranée. Mais vous le voyez, pas plus d'1 degré dans la capitale. 2 degrés à Strasbourg, 3 degrés à Cherbourg, 4 pour Rennes, 5 à Nantes ou encore 6 degrés à Lyon. Et la suite, elle n'est pas vraiment plus encourageante puisque nous allons avoir l'arrivée d'une nouvelle perturbation pour la journée de mardi. Elle va s'étendre depuis l'Aquitaine en remontant jusqu'aux régions du Nord. Encore une fois, lorsque cette dernière va rencontrer l'air froid, on pourra avoir un peu de neige ou de neige fondante dans les régions les plus au nord. On y reviendra bien évidemment demain soir. À l'arrière, un ciel de traîne va s'installer sur les régions du quart nord-ouest et puis un temps plus sec quand même est attendu sur les régions de l'Est avec tout de même des températures qui resteront bien basses. Mercredi à présent, voyez donc la carte, avec toujours un temps hivernal sur la plupart des régions, peut-être encore quelques flocons résiduels sur les régions de l'extrême nord, même chose dans le centre-est, des pluies assez soutenues entre la Côte d'Azur et la Corse, avec de la neige sur les Alpes du Sud à partir de 600 mètres, et puis des pluies également qui vont circuler entre la Bretagne et l'Aquitaine, pas de phénomène glissant cette fois-ci, avec donc des températures qui seront positives, mais d'une manière générale, vous notez que les températures vont rester en dessous des normales de saison, ça sera surtout le cas dans les régions de la moitié nord et de la moitié est. Jeudi et vendredi, la tendance reste hivernale, les températures vont même repartir à la baisse, si bien que le dégel sera de nouveau très difficile dans les régions du nord et de l'est. Jeudi, des pluies donc au sud de la Garonne, partout ailleurs un temps plutôt sec avec peut-être quelques flocons ça et là. Un temps également plus lumineux sur les régions du quart nord-est, mais là encore on aura des températures qui seront bien basses. Vendredi, un temps gris sur la plupart des régions, mais a priori pas de précipitations, peut-être quelques flocons ça et là jusqu'au niveau des plaines, mais pas de grosses quantités. Un temps plus lumineux quand même entre les Pyrénées et le golfe du Lion et des températures qui seront au plus bas. Enfin, le week-end prochain qui pourrait être marqué par un plus franc redout avec l'arrivée d'une perturbation samedi par la Bretagne qui pourrait parvenir à traverser l'ensemble du pays dimanche avec donc un redout à la clé. Mais encore une fois, lorsque cette dernière va rencontrer l'air froid, on pourrait craindre un nouvel épisode verglaçant ou neigeux évidemment. On reprécisera cela à l'approche de l'échéance, mais on n'en a pas encore terminé avec l'hiver et donc la semaine à venir s'annonce encore une fois bien froide et hivernale sur la plupart des régions françaises.
Voilà donc pour ce bulletin. Pour rappel, une vigilance est maintenue sur les régions du quart nord-est jusqu'à demain matin à cause de phénomènes glissants. Il va neiger sous des sols verglacés sur toutes ces régions. Et puis de nouvelles chutes de neige sont attendues à partir de la fin de nuit sur le nord de la Bretagne. Elles se décaleront ensuite vers les collines normandes et le nord de la région centre pour atteindre ensuite l'ouest du bassin parisien en cours de matinée. Donc soyez prudents, plusieurs centimètres de neige sont attendus sur toutes ces régions. Demain, nous serons le lundi 21 janvier. Vous fêterez les Agnès. Le soleil va se lever à 8h33 et se couchera à 17h30. Les coefficients des marées, quant à eux, sont au plus bas. Je vous retrouverai avec plaisir demain soir. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée. Encore une fois, soyez très prudents si vous prenez la route. Bonsoir.